Cette semaine, le signe star est Balance. Sans doute ni crainte, vous êtes raccord avec ce que dicte votre cœur. Votre homme est Balance. Il a besoin de vous. Tout le temps. Non par manque d'autonomie. Mais parce que la moindre activité ne prend son sens que si elle est partagée. Vous êtes son double, sa moitié. En mode récré. Un déplacement est annulé. Un projet capote. Quand ça veut pas. Inutile de passer en force et d'énerver tout le monde. Alors, même si vous détestez ça, prenez votre mal en patience. Ça vous laisse du temps pour repeindre le salon ou améliorer votre niveau de sudoku. L'astro coach, réviser l'intégralité du Kama Sutra, c'est toujours formateur. Beau discours. De la tchatch, du charme, des arguments. Vous êtes si convaincante qu'on est forcément d'accord avec vous. Si vous travaillez dans la vente ou être commercial, vous allez cartonner. Mais dès qu'il s'agit de parler cœur et sentiment, la peur de faire peur à l'autre vous tétanise. L'astro coach, ne mettez pas d'enjeu là où ce n'est pas nécessaire. Tous azimuts. Vous essayez le maximum de choses, si ça marche, tant mieux, si ça rate, vous recommencez autrement. Expérimenter vous motive plus que réussir. En amour aussi, vous lancez des pistes afin de sortir votre relation des sentiers battus. Votre compagnon vous suit dans l'aventure. L'astro coach, cultiver une joyeuse humeur, c'est un argument imparable. L'émotion d'abord. Vous ne lisez plus les commentaires et n'écoutez plus les rumeurs. Désormais, vous vous fiez à vos ressentis. C'est ainsi qu'un partenaire pro, souvent critiqué, se révèle la personne la plus conciliante de la Terre. Ensemble, vous faites du bon travail. En amour, l'équipe est au top. L'astro coach, prévoyez une escapade pour de beaux moments à deux. Envie de rien. À cause d'une réponse qui n'est pas celle que vous attendez ou d'un partenaire qui vous plante au dernier moment. Vous êtes en train de nous faire une petite déprime. Même l'amour de votre chéri préféré ne suffit pas à vous requinquer le moral, rassurez-vous, c'est passager. L'astro coach, dévalisez les boutiques si ça peut vous permettre de compenser. Une bombe sensuelle. C'est excitant de faire du pied sous la table ou de vous lancer dans un striptease. Votre amoureux apprécie à sa juste valeur l'étendue de votre sex-appeal. Célib. Vous vous aventurez sur les réseaux sociaux. Des matchs à gogo, des rencontres prometteuses réactivent la séduction. L'astro coach, ciblez ce que vous désirez fondamentalement. Pour la vie. Vous vous jetez dans les bras de l'homme que vous aimez avec une spontanéité charmante. Vous exprimez vos sentiments avec une joie émouvante. Votre bonheur est manifeste. Vos émotions sont authentiques. Si vous voulez épouser votre amoureux, c'est oui. L'astro coach, faites-vous plaisir avant d'en donner aux autres. En pleine compétition. Comme un Nutri-Score sur un paquet de chips, vous évaluez les sentiments amoureux de votre couple. Il en ressort que, selon vos barèmes, votre compagnon vous témoigne moins d'amour que vous. Vexé. Vous vous braquez. Frustration, colère, est-ce la bonne façon d'élever le niveau? L'astro coach, commencez un puzzle de 5000 pièces. Le quotidien sublimé. Biner le jardin ensemble, faire les courses à deux, regarder une série, vous avez le goût des choses simples et du bonheur partagé. Vous réalisez qu'il y a autant d'émotions à embrasser son amoureux au rayon surgelé que sur une plage de sable blanc. L'aventure commence ici. L'astro coach, mettez vos affaires en sécurité, des vols peuvent être commis. Retour aux sources. Avant de rencontrer l'autre, il faut vous rencontrer, vous. Cela suppose d'investiguer dans le passé. De remettre les choses en perspective, d'interroger les témoins ou les acteurs de l'époque. C'est un gros travail, mais c'est la seule façon de devenir l'autrice de votre propre histoire. L'astro coach, avez-vous envisagé de changer de lieu de vie? Baisse de forme.
Vous avez raison, c'est évident. C'est le ton péremptoire que vous prenez pour l'asséner qui ne passe pas. En réaction, vos interlocuteurs font de l'obstruction ou le contraire de ce que vous préconisez. C'est puéril, mais c'est ainsi. Essayez d'être un brin plus psychologue de toute urgence. L'astro-coach, couchez-vous tôt. Levez-vous tard. C'est du repos pour tous. Épreuve d'obstacle. Vous avez raison de vous informer, mais gare à ne pas devenir intrusive. Si certaines choses vous sont cachées, c'est qu'on estime que vous n'avez pas à les savoir. Mais rien ne vous interdit de trouver d'autres sources. Il faut juste être plus maligne que les autres et ça, vous savez faire. L'astro-coach, saisissez chaque opportunité qui se présente. Par Caroline Moisan, astrologue.